Meghan Markle a reçu des éloges après être rapidement venue en aide à une personne qui toussait lors de la session plénière de l'Assemblée générale des Nations Unies lundi. La duchesse de Sussex s'est précipitée pour aider une femme qui toussait qui était assise derrière elle au siège de l'ONU lundi. Meghan était assise à côté de son mari, le prince Harry, lorsqu'elle a entendu un autre membre du public commencer à tousser. Agissant rapidement, elle se tourna vers la personne qui toussait et offrit sa propre bouteille d'eau. La duchesse a été filmée alors qu'elle passait la bouteille et laissait le spectateur en prendre quelques gorgées. Après que la bouteille lui a été rendue, Meghan a échangé quelques mots avec les deux personnes assises derrière elle et son mari. Ce gentil geste a été salué par les fans du duc et de la duchesse de Sussex. L'une d'elles, @debrazen-bahussy, a écrit sur Twitter, « Meghan donne sa bouteille d'eau à la dame derrière elle. Toujours gentil et attentionné. » Un autre utilisateur de Twitter, @ragnoffjustice, a déclaré. Offrir votre bouteille d'eau à une autre femme qui tousse mène dit plus sur le personnage de la duchesse Meghan que n'importe quel livre à succès écrit sur elle. Cette fan de la duchesse a semblé faire référence à la publication prochaine de la nouvelle biographie de Tom Bower centrée sur l'ancienne actrice, intitulée Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor. Des extraits du livre publié ces derniers jours par le Times ont inclus des allégations potentiellement préjudiciables contre le duc et la duchesse de Sussex. À leur arrivée au siège de l'ONU lundi après-midi, le couple s'est vu poser une question concernant le livre, qui sortira jeudi, par un journaliste. La correspondante de l'ONU pour Voice of America Margaret Beshear a demandé. Prince Harry, craignez-vous que le nouveau livre de Tom Bower aille plus loin avec la famille royale? Harry et Meghan n'ont fait que jeter un coup d'œil aux journalistes et, sans répondre, ils ont continué à marcher à l'intérieur du bâtiment. L'aide de Meghan à l'autre participant à la session plénière est intervenue avant que le duc de Sussex ne prononce un discours liminaire à elle assemblée à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela. Stand on your